Malgré des ressources en eau abondantes et des millions d'hectares de terres arables, la République centrafricaine souffre de la faim. Dans la Lobaye, une région du sud-ouest réputée pour sa fertilité, une poignée d'investisseurs privés ont relevé le défi de développer l'agriculture de façon inclusive et durable. D'après les expériences et d'après mon point de vue aujourd'hui, il n'y a que le secteur privé qui pourrait développer le secteur agricole. Parce que nous assistons à cela depuis des années. À travers les aides alimentaires qui ne développent jamais le secteur, au contraire, ça nous rend plus feignants, ça inculpe dans nos mentalités, dans nos têtes, la mentalité de l'assisté, celui qui a toujours besoin de tendre la main pour qu'on lui donne de l'aide. Alors que quand c'est les privés qui prennent l'affaire au moins, c'est autre chose. C'est une question de partenariat entre ceux qui vont investir avec les producteurs et tout le monde est gagnant. Savane verdoyante, forêt dense sillonnée de rivières et d'arbres fruitiers, la région fertile de la Lobaye est située aux portes de la capitale Bangui, à tout pour plaire. Les entrepreneurs souhaitent y développer une agriculture dite régénératrice. Bon, le villageois a choisi rapidement les cultures vivrières, quoi, telles que vous voyez ici, le champ de manioc. Parce qu'il pense qu'au bout de 6 mois, 8 mois, 1 mois, il peut déjà avoir quelque chose pour se permettre de vivre. Mais le palmier, lui, il va attendre au bout de 3 ans. Hein, il ne sait pas comment vivre. Donc il a préféré faire son champ de manioc. Et puis à la longue, autour d'un an, il a du manioc qu'il peut manger une quantité et puis vendre l'autre pour avoir subvenir à ses besoins, quoi. En fait, ici en Centrafrique, on a des conditions extrêmement favorables pour faire de l'agriculture de conservation, de l'agriculture régénérative. On a des terres disponibles, on a des climats, un climat exceptionnel, on a des conditions de marché assez exceptionnelles. Et en fait, on a décidé de créer un champion de l'agriculture durable. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir une agriculture qui conserve les sols, mais ça permet également d'avoir des coûts de production extrêmement faibles et qui sont la condition pour pouvoir faire démarrer une agriculture ici. Une agriculture qui permettrait au sol de se reposer, c'est le pari de cet entrepreneur qui ambitionne de créer un modèle exportable en Afrique.